Attention talent, Alexis Vachebrotte et Damien Massé présentent leur première réalisation, Red Balloon. Don't worry, honey. It's only a nightmare. C'est une babysitter qui garde un enfant. Plusieurs fois pendant la nuit, l'enfant va pleurer sans raison. Et elle essaie de créer toute l'attention autour de cette histoire simple. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre pendant que la babysitter est en bas? On n'a pas voulu réinventer le genre, on a voulu prendre ce qui était bon dedans. On a dit, ok, on va mettre l'accent sur non pas les effets spéciaux, mais le visuel. Notamment, il y a un plan du film où on voulait savoir exactement au même moment ce qui se passe en haut pendant que la babysitter est en bas. C'est pour ça qu'on a un long plan séquence qui va du salon jusqu'à la chambre en une fois. Red Balloon est l'un des courts les plus remarqués de ce festival QV 2011. Peut-être parce que justement c'est un film de genre et avec Clermont-Ferrand c'est pas commun. Être là, bah, ça veut dire qu'on a réussi à faire un film de qualité qui plaît, qui a le mérite, au même titre que la soixantaine de films qui sont en sélection, d'avoir un potentiel. Avec ce film, les deux réalisateurs affichent de nouvelles ambitions. Rester derrière la caméra sur un plateau à diriger des acteurs, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Si on pouvait trouver quelqu'un qui serait à 150 millions de trop, on est preneur. Hein. Pourquoi pas faire un autre film de genre comme Red Balloon ?